Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishvat, Mori Rabishmal, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batrim Nechemia, ainsi que de Fouat, Abraham, Ori Ben Rout, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à 5 minutes éternelles, nous étudions à Sechet Zvachim, Perekret, Mishnah Yud. Anitanim Matana Achat, Shnit Arvu, Banitanim Be Matana Achat, Inatnum Be Matana Achat, Matan Arba Be Matana Arba. Et Natnou Bematan Arba. Matan Arba Bematan Achat. Rabbi Eliezer Omer, et Natnou Bematan Arba. Rabbi Yoshua Omer, et Natnou Bematan Achat. Amar lo Rabbi Eliezer, Vare Ouver al Bal Tigra. Amar lo Rabbi Yoshua, Vare Ouver al Bal Tosif. Amar lo Rabbi Eliezer, Lonemar Bal Tosif, et Lakshu Beatmo. Amar lo Rabbi Yoshua, Lonemar Bal Tigra, et Lakshu Beatmo. ועוד אמר רבי יהושע, כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידיך. וכשלא נתת עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה בידיך. On commence d'abord avec les deux premiers cas de la Mishnah qui sont relativement simples, pas relativement, franchement très simples. Anitanim matana achat shinitarvu banitanim bematana achat. Vous vous rappelez, Ezo Mekoman Shel Zvachim, la Balperek, qui classait tous les korbanotes. La dernière Mishnah, elle nous parlait de korbanotes que... dont le matan d'amim, l'aspersion du sang, devait se faire en un seul acte, une seule aspersion uniquement. C'était à Bechor, à Maaser, à Pessah. Juste on verse une fois sur le misbéach et c'est fini. Et après on gère. D'accord ? Un seul matan d'am. Donc, mais j'ai la Mishnah nous enseigne sage que si tu as eu deux espèces de korbanot dont les sangs se sont mélangés, mais c'était tous les deux des korbanot, que tu ne devais faire qu'une seule aspersion sur le misbéach. Par exemple, un Bechor. Avec un maaser BMA. D'accord ? Alors les deux se mélangent, il n'y a aucun problème. Tu prends ce misrak, où tu as maintenant 200 mélangés, tu les jettes un don sur le misbéach et tu t'acquittes ta mitzvah. Donc, anitanim matana achat. Ceux qui doivent être aspergés en un seul don de sang. Aspersion de sang. Shinitarvu banitanim be matana achat. Qui se sont mélangés avec un autre korban qui devait lui aussi être versé, avec, être offert avec une seule aspersion de sang. Donc, aucun problème. Inatnu bematana achat. Tu devras, dans ce cas-là, asperger une fois le sang mélangé. Et tu t'as acquitté les deux korbanot, ainsi, et ils pourront être consommés, il n'y a aucun problème. Idem encore, matanarba bematanarba. Ceux qui devaient être aspergés en quatre dons, avec ceux qui devaient être aspergés eux aussi en quatre dons. C'est-à-dire, quand on dit quatre dons, on parle qu'on est en bas. Et shtaim shenarba, vous rappelez, pour tous les korbanot qui sont faites la plupart. Ola, Hacham, Shlamim, Korban Toda. Alors, tous ces korbanot-là, il faut faire Shtaim Shenarba, donner deux qui font quatre. C'est-à-dire, le Kohen, il va se mettre au Matzmed, Matz, Mizrach, Maharav, Dwarom, et après Mizrach, Tzafon. Et donc, il se met dans les deux coins, il asperge en diagonale, de manière à ce qu'il va toucher les deux angles, les deux faces, les deux arêtes du Mizbeach. D'accord ? Donc c'est ceux qui sont donnés en matan arba, en quatre dons, qui sont mélangés avec ceux qui doivent être donnés en quatre dons. On n'a pas parlé de ceux qui sont donnés sur le misbéach, qui se mélangent entre eux, parce qu'il n'y a que le khatat qui monte en haut, donc il ne peut pas se mélanger avec autre chose, ouais, avec une autre espèce de korban. Donc le seul qui peut, donc forcément il a fallu expliquer que matan arba et matan arba, on parle de ceux qui sont donnés en bas du misbéach, qui peuvent être donc une ola, un hacham, et aussi, d'accord, hacham, todav et shlamim. Et donc, matan arba, mais matan arba, ceux qui devaient être donnés en quatre dons, qui sont mélangés avec ceux qui devaient être donnés en quatre dons, aucun problème de nouveau. Et natnu, be matan arba, tu prendras le sang à mélanger et tu le verseras en donnant quatre dons. Tu vas te mettre dans les faces et comme ça, tu acquittes les deux korbanot en même temps. Pour le moment, tout va très bien. Maintenant, on va parler d'un cas qui va devenir un peu plus compliqué. Dès que vous voyez Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua dans le Mishnayot, ça veut dire que ça va se tirer dessus et ça veut dire que ça va être un peu compliqué à expliquer souvent. D'accord ? Mais on va d'abord juste présenter le cas. Matan arba be matana achat. Ceux qui devaient être donnés en quatre dons qui se sont mélangés avec un sang qui devait être versé en un don. Concrètement, un korban ola qui se mélange avec un maaser bema. Maaser bema, un don. Ola, quatre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moitié du misrak qui s'est mélangé, il contient de la ola qui doit être versée en quatre dons et l'autre, il contient un seul don. Vous allez me dire, bah, que le problème, t'as qu'à verser quatre fois, ça va pas, non? C'est grave de verser quatre fois.
Pourquoi? On va le dire tout de suite, Baltosif. Et verser en une fois, c'est grave aussi, Baltigra. Alors c'est quoi Baltosif? Et c'est quoi Baltigra? Il y a marqué dans la Torah dans deux endroits. Une fois dans Vetranan, et une fois je ne sais plus où, dans le sud de Dvarim, mais je ne vois pas où c'est précisément, de tête comme ça. Et une fois dans Vetranan, c'est sûr, et une deuxième fois je crois dans Shoftim, ouais, dans Shoftim. L'otigra la davar, l'otigra badavar, il y a deux nosrot. Concrètement, un interdit de rajouter sur les mitzvot de la Torah et un interdit de diminuer les mitzvot de la Torah. Il y a plusieurs gdarim, quand ça a été dit exactement, mais une chose de certain, c'est que lorsque la Torah te dit de faire une chose avec une mesure, tu n'as pas le droit de rajouter dessus. Par exemple, la Torah nous a dit de faire un bait de tefillin avec quatre parashiot dedans. D'accord? Il y a quatre parashiot. Si ça te prend de vouloir rajouter une paracha supplémentaire, tu as lu une paracha dans la Torah qui t'a évoqué beaucoup de sentiments, d'émotions, et tu dis, allez, je vais la mettre dans mes tefillin. D'accord? Et donc tu vas être fixé maintenant dans ta boîte de tefillin, tu vas fixer un cinquième bait. Transgresse sur le sceau de Baltosif. Idem, si tu vas vouloir diminuer, tu vas faire 3. Ou encore, tout simplement, avec le talit, c'est le même principe. Il y a un talit, la Torah nous a dit, lorsque tu as 4 coins, tu mets dans les 4 coins. Si tu as 5 coins, tu ne dois mettre que dans les 4 parmi les 5. Celui qui va vouloir mettre sur le 5e coin, il va transgresser Baltosif. Ou bien, d'accord, on transgresse Baltosif. Il y a idem aussi, celui qui va vouloir mettre, quelque chose, c'est important de le savoir quand même, qui va vouloir mettre 2 tefillines en même temps. Ouais, lorsque vous voyez ceux qui mettent les tefillines de Rashi et de Rabbeinu Tam, selon la Kabbalah, il faut savoir que le Shulchan Aruch nous dit qu'attention, il faut forcément faire la condition que, avec le faire avec l'intention de se dire, celui qui a le vrai tefillin, c'est le vrai tefillin, et l'autre, c'est rien du tout. Parce que s'il le fait avec l'intention d'accomplir comme ça la mitzvah en mettant les deux en même temps, eh ben, certains pensent qu'ils transgressent l'interdit de Baltosif, c'est rapporté dans le Chinuch, ils pensent comme ça. C'est, d'accord, vous avez compris le principe, ne jamais rajouter sur la Torah, ne jamais diminuer de la Torah. La Torah nous a donné 613 mitzvot, on ne rajoute pas de mitzvot supplémentaires, on ne rajoute pas, même dans les mitzvot que la Torah nous a donné, on ne rajoute pas sur ce que la Torah nous a dit de faire. Je t'ai dit de prendre 4 espèces du loulav, tu ne prends pas une 5e espèce. Je t'ai dit de, d'accord, la Torah elle est mamache, elle est bria, elle est parfaite, ouais, Torah Tachem t'es mima, elle est pleine, entière. Il ne faut rien lui rajouter, rien lui diminuer. Et si tu le fais avec intention de rajouter, de diminuer, je pense que c'est interdit de baltosif, ne pas rajouter. Ouais, l'otosif à la davar, ve baltigra, l'otigra, ne pas diminuer. Ok, on a fermé la parenthèse, on revient maintenant sur notre Mishnah. Lorsque le sang de Ola se mélange avec un sang de Maaser Sheni, on a le problème. La Ola, elle ne requiert 4 aspersions, et la Maaser Sheni, une seule aspersion. Les deux sangs se mélangent, qu'est-ce que je fais? Si j'asperge une fois, il s'avère que la Ola, je l'ai versée en une seule fois au lieu de 4. Si je le fais consciemment, eh ben, je transgresse l'interdit de Baltigra. Ouais, imaginez que j'ai juste du sang de Ola, et que je me dis, bon allez, la Torah me dit de faire 4, je pense qu'un seul ça suffit, j'asperge. Le propriétaire s'est acquitté de son devoir, mais malgré tout le corban, il sera interdit à la consommation et tout ça, si c'est un corban consommable, parce qu'il n'a pas été offert comme il se devait, et ce Kohen a transgressé l'interdit de Baltigra, il a diminué. Idem, si c'est le contraire, le Maaser Sheni va se dire, allez, moi ça me plaît d'asperger le Mizbeach, et j'en fais 4. Il transgresse l'interdit de Baltosif, il n'a pas le droit de rajouter sur la Torah. Ok? Partant de ce principe, maintenant, les deux sangs se mélangent. Qu'est-ce qu'on fait? On est en grave problème. Si on va asperger une fois, et ben le Ola, bah putain que le Ola tu l'asperges en une seule fois, c'est grave. Tu asperges 4 fois, bah putain que le Maaser Sheni tu le fais 4 fois. Tu transgresses aussi l'interdit. Alors maintenant, on va être pris entre deux feux, que faire? Lui d'abord, je vous le dis tout de suite, on va commencer tout de suite par lire Rabbi Eliezer qui va nous dire aucun problème, tu le donnes en 4 fois. Ça c'est Rabbi Eliezer, la Shetato, selon son avis qu'on a déjà appris plusieurs fois, que Roin, Rabbi Eliezer, Hitler Roin, Rabbi Eliezer, il pense que on peut considérer de la viande comme du bois et du sang comme de l'eau. Donc de ce fait, tu sais ce que tu fais? Tu prends ton sang mélangé, tu l'asperges d'abord une aspersion. Et là, tu as quitté le maaser, tu t'es acquitté du devoir d'asperger le maaser Rishon et de faire un don de la Ola. Et après, tu dis, écoute, maintenant, le reste, le sang de maaser qui va rester à l'intérieur, je le considère comme de l'eau. Et tu continues à donner le sang de la Ola uniquement, qui est mélangé en fait avec de l'eau, puisque tu considères le sang comme de l'eau. Tu ne fais plus le Shem Mitzvah, donc tu ne transgresses plus rien. Ça, c'est bien pour Rabbi Eliezer. Seulement, Chachamim, ils sont cholkim sur ça, ils ne sont pas d'accord avec ça.
Litleu roim. Chachamim, ils n'ont pas roim. On ne dit pas roim comme si c'était de l'eau. Roim, on voit, on considère comme si c'était... Non, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, il y a un problème. Le problème, comme avec Yom, il va commencer après Chachamim, que choisir? Du coup, Rabbi Yoshua, il va nous dire, ben, tu vas donner qu'une seule fois. Rabbi Eliezer, il va nous dire, mais ça ne marche pas ton histoire. Mais là, il faut bien comprendre. Rabbi Eliezer va venir répondre à Rabbi Yoshua selon son point de vue que Litleu roim. D'accord? Donc du coup, ça va nous faire entrer dans une discussion, en fait. Concrètement, on va compter... on n'a qu'à le faire directement, normalement. Regardez. Matan arba be matana achat. Un sang qui devait être versé en un seul don, en quatre dons, qui s'est mélangé avec un sang qui devait être versé en un don, en une aspersion. Donc, Ola avec, ou Hacham avec, Maaser Rishon. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Inatnu be matana achat. Aucun problème. Verse-le en quatre dons. C'est-à-dire... Regardez tout de suite le Barthénora. Verohani et matanot ayeterot anetunot midam abechor keilu hem ma'im ve'en ze baltosifim. Il a pris le cas d'un abechor, mais en tout cas, il nous dit Rabbi Eliezer que je vais considérer les dons supplémentaires comme si c'était de l'eau. Donc en fait, pour la première aspersion, tu as un bechor ou un maaser mélangé avec une ola ou une hacham. Première aspersion, les deux s'aspergent. La deuxième aspersion, tu dis bon, celui qui doit être donné en une seule fois, c'est considéré comme de l'eau. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua nous dit non, tu peux pas, parce que Rabbi Yoshua il pense qu'il n'y a pas roim. Ouais, tu peux pas considérer comme si c'était de l'eau. Donc de ce fait, c'est grave de verser quatre fois, tu verses qu'une seule fois, comme ça tu ne transgresses pas l'interdit de Baltosif, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et sur ça, Rabbi Eliezer vient et lui rentre dedans. Et c'est là la grande difficulté de cette Mishnah d'interpréter ce dialogue de sourd, littéralement, au sens propre, c'est incompréhensible ce qui se passe. Je viens, je vous pose une question pertinente, vous me retournez à la question pertinente, je vais vous donner une réponse, et vous allez me dire, ben moi aussi je te réponds la même chose. Voilà le niveau de discussion tel que c'est apparemment, tel que c'est rapporté dans la Mishnah, et tous les mefarchim se cassent la tête à donner un petit peu plus d'allure à cette Mishnah, parce que Chas v'Shalom de soupçonner Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Yoshua de discuter des dialogues de sourds. Ben d'accord? C'est un peu le principe, regardez, on le fait ça vite fait, et je vous explique ce qui se passe. Donc Rabbi Yoshua, il nous a dit, Inatnu ben matanacha, tu les donnes en un seul don. Amarlo Rabbi Eliezer, le dit Rabbi Eliezer, je ne comprends pas toi, ta solution de Rabbi Yoshua, elle n'est pas bonne. Vareo ver albal tigra, tu diminues la mitzvah de la Torah. Elle t'a dit, la Torah, tu donnes la Ola en quatre dons. Si tu donnes un seul don, tu as diminué. Donc il faut donner quatre. Amarlo Rabbi Yoshua, il a répondu, Rabbi Yoshua, vareo ver albal tosif, quand tu dis verset 4, eh ben tu transgresses l'interdit de Baltosif. Tu dis de verser celui qui devait être versé en un seul don, tu dis de verser quatre fois. C'est grave, tu rajoutes sur la Torah. Donc là, tu rajoutes, là, tu diminues. Amalo Rabbi Eliezer, l'onemar baltosif elak sheu be'atzmo. Rabbi Eliezer lui donne une réponse de folie. On va l'expliquer après, mais d'abord, je veux juste vous donner l'allure. Rabbi Eliezer lui dit, non, il n'y a pas de baltosif. Je peux verser quatre fois. Pourquoi? Parce que le supplément que je vais verser, je ne le fais pas pour lui-même, je le fais pour l'autre. L'interdit de baltosif, c'est quand j'ai l'intention de rajouter sur la mitzvah. Mais là, lorsque je suis en train de verser en plus, c'est pas pour le Maaser ou pour le Bechor que je verse en plus. C'est parce que je le fais à cause de l'autre. D'accord? Donc, l'onemar baltosif, l'akshu baatzmo, l'interdit de baltosif, je ne le transgresse que lorsqu'il est indépendamment, mais lorsqu'il est mélangé à autre chose. Et que l'autre chose requiert quatre aspersions, donc je pourrais le faire et je ne transgresse plus l'interdit de baltosif. Amar Rabbi Yoshua, il a répondu Rabbi Yoshua, ok. Alors, dans ce cas-là, l'onemar baltigra et l'akshu baatzmo. Au même titre, je vais te dire que je ne transgressais l'interdit de Baltigra que lorsqu'il est indépendamment tout seul. On reprend. Très rapidement, on essaye de donner un petit peu d'allure. C'est franchement compliqué, quoi. D'accord? On va essayer de donner un peu d'allure. Concrètement, il y a la Ola, elle doit donner en quatre dons. Là, le Bechor, il doit donner en un seul don. Il se mélange les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la mesure où on ne va pas considérer Rabbi Eliezer qui pense que Rohim... Celui-ci, on pense au Rohim, qu'on va considérer le sang qui ne nous intéresse pas comme de l'eau, on a la solution à tous les problèmes. Mais la Mishnah, elle va considérer l'avis de Rabbi Yoshua qui n'a pas ça. Donc maintenant, il va falloir surmonter l'impasse en disant qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Eliezer nous dit, tu peux quand même donner quatre dons parce que si tu donnes qu'un seul don de sang, eh ben, tu vas transgresser l'interdit de diminuer la mitzvah de la Torah. Et Rabbi Yoshua vient nous dire non. Si tu vas donner 4 dons, tu vas transgresser l'interdit de rajouter sur la mitzvah. Mais en réalité, Rabbi Eliezer vient nous dit, mais non, on ne transgresse plus l'interdit de rajouter, étant donné que je le fais avec intention de... Je ne le fais pas avec intention de rajouter sur la mitzvah, mais je le fais avec une autre intention. C'est-à-dire, je m'explique. L'interdit de Baltosif, c'est de vouloir se prendre pour plus intelligent et plus
Chacham que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il t'a dit, il t'a donné une mitzvah de la Torah en te disant, tu fais comme si. Et toi, tu vois, tu dis, mais écoute, moi je pense que Alpi Asod, Alpi Akabala, des Sphirot, du Partsouf, de la Tartone, de. Non, 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 il faut faire autrement. Quoi, tu te prends pour qui? Tu crois que tu connais mieux la Torah que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah directement d'Hachem. Hachem, il a dit, tu fais comme ça. Si tu penses que tu vas être plus Chacham qu'Hachem, alors mon pote, t'as un problème. D'accord? C'est en ça qu'on transgresse l'interdit de Baltosif. Ou de Baltigra, en l'occurrence. Lorsque j'ai plus l'intention de transgresser la Torah, mais je le fais parce que j'ai une autre raison. J'asperge, mais en fait, c'est avec aucune intention de faire une mitzvah. C'est parce que j'ai le mal à la main que je suis en train de faire comme ça. Donc, dans ce cas-là, je ne transgresse plus d'interdit. Selon ce principe, il vient Rabbi Eliezer et nous dit, lorsque tu vas verser les quatre dons, tu ne vas plus transgresser l'interdit de Baltosif. Pourquoi? Parce que tu as une bonne raison pourquoi ce sang de Maaser arrive sur le Mizbéach quatre fois de suite alors qu'il va arriver qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il a, tu ne le fais pas au nom du Maaser, tu le fais au nom de la Ola. C'est plus un problème de Rohim, qu'on va considérer comme si c'était de l'eau. On considère que c'est du sang de Maaser. Mais tu n'es plus en train d'enfreindre la Torah qui t'a dit de faire les choses de cette manière, et tu ne commences pas à les faire autrement parce que tu te penses, tu t'estimes plus Racham. Non. D'accord? C'est pas un problème que tu t'estimes plus Racham, tu le fais parce que tu as une autre raison, à cause du sang qui est mélangé. Alors, c'est pour ça que Rabbi Eliezer va nous dire, il n'y a plus d'interdit de Baltosif lorsque tu vas rejeter. À la différence, alors maintenant j'explique maintenant tout de suite qu'est-ce qu'il va nous dire Rabbi Eliezer. À la différence, par contre, si tu vas te contenter d'asperger qu'une seule fois, alors que tu sais consciemment qu'il y a la Ola, alors c'est que tu as opté que maintenant, tu préfères ne pas... tu estimes que ce n'est pas la peine de rejeter, de... On peut s'acquitter d'une Ola en versant une seule fois. Ça ne va pas, non, tu n'as pas le droit de transgresser. Donc, rajoute et fais-le au nom. Ouais, parce que finalement... C'est-à-dire, c'est là où c'est un peu délicat, finalement. On n'a qu'à passer tout de suite sur Rabbi Yoshua et vous allez comprendre comment on aurait pu comprendre autrement. C'est exactement en ça qu'ils débattent, quoi. Et Rabbi Yoshua, il va nous dire, bah non, le problème, il est que dans la mesure où depuis le moment où tu as versé un seul don, tu as commencé à donner et tu t'as acquitté du Maser ou du Bechor. Mais concrètement, même ta Ola et même ton Hacham, tu t'es acquitté parce qu'on avait appris que même si tu as versé un seul don, tu t'es quand même acquitté de la mitzvah de la Ola. De ce fait, la mitzvah de la Ola ne t'impose plus de verser plus par rapport au devoir de s'acquitter. Donc lorsque tu peux accomplir la mitzvah de manière parfaite, bien sûr, asperge quatre fois. Mais lorsque tu vas t'arrêter à une seule fois et que tu es motivé à cause du maaser que lui ne peut pas être versé plus, tandis que le maaser lui va te dire là haut là, tu t'acquittes dès que tu as versé un seul nom. Alors ça y est, arrête-toi là. D'accord? Sans ça que ça se discute, c'est vraiment très compliqué à comprendre. Concrètement, il faut beaucoup de l'omdes et de rajouter des notions externes pour donner de l'allure. J'ai déjà entendu une fois un chiour sur le sujet, d'accord. Après tout ce qu'on peut dire, on peut retenir une seule chose, en tout cas, c'est que c'est assez compliqué à comprendre, finalement, sur quel point précisément il discute, d'accord. On a quand même interprété, bon, prochaine. Maintenant, Rabbi Yoshua continue, en nous donnant une deuxième justification. Tu sais pourquoi je préfère, c'est-à-dire Rabbi Yoshua, il va revenir en nous disant, écoute, concrètement, de notre dialogue de sourd, en réalité, t'as raison, on peut sortir bête. On aura le même problème lorsqu'on va verser un seul don que lorsqu'on va verser quatre dons. On va transgresser, concrètement, l'interdit de Baltosif de rajouter sur la Torah. Mais dans ce cas-là, moi je vais t'apprendre une conduite à adopter lorsque tu as un problème dans la vie. Shev ve'al ta'ase adif. Reste assis et ne fais rien, c'est mieux. Lorsque tu as un doute. Si je pars, est-ce que la Torah m'impose de partir, faire quelque chose, ou de rester ici? Et je ne sais pas quoi faire. Et bien dans ce cas-là, de manière générale, on préfère adopter la conduite de reste sur place, ne fais rien. Au moins, tu ne seras pas activement mauvais. Logique. De ce fait, tes deux sens se mélangent. Tu ne sais pas quoi faire. Commence à verser un don. Après, pose-toi la question. Je continue pas. Le Maaser, il me dit, arrête-toi. Et si tu vas continuer, tu risques de transgresser l'interdit de Baltosif. Le Chata, le Hacham me dit, continue. Ouais. Et si tu t'arrêtes, tu transgresses l'interdit de Baltigra. Bah alors je sais pas, qu'est-ce qu'il vaut mieux opter? Pour qui j'opte? Baltosif, Baltigra? Opte pour autre chose. Chev ve'alta se adif. Reste assis sans rien faire, au moins tu seras moins reprochable. Ok? Regardez, on fait ça dans les mots. Vodama Rabbi Yoshua. En plus, il a rajouté Rabbi Yoshua en nous disant Kshenatata, lorsque tu vas donner, avartal Baltosif, vasita maase beyadecha. Lorsque tu vas donner le sang en quatre noms, il va s'avérer que tu vas transgresser l'interdit de Baltosif, de rajouter, puisque tu vas donner le Maaser ou le Bechor en quatre noms. Et tu as activement, tu as fait quelque chose d'actif avec tes propres mains.
tandis que lorsque tu n'as pas donné, tu n'as pas versé, tu t'es abstenu de verser. Alors certes, avartal baltigra, certes, tu as transgressé l'interdit de diminuer les mitzvot de la Torah, puisque tu as donné la Ola et le Hacham en un seul don au lieu de le donner en quatre dons. Avalefachot, velo asita maase beyadecha, tu n'auras pas fait quelque chose avec tes mains. Et dans ce cas-là, chev ve'alta asé adif, il vaut mieux rester assis, s'abstenir de faire plutôt que de faire des bêtises. Tu seras moins reprochable de la sorte. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une joie pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.